Je m'appelle Christophe Play, je suis chef d'entreprise à Calcutta. HLM, c'est une organisation non gouvernementale indienne qui existe depuis 20 ans et qui propose aux enfants de la gare ou de la rue la possibilité de suivre des formations professionnelles ou de reprendre retourner à l'école et de les aider à grandir et puis à pouvoir se réinsérer dans la société indienne. J'ai trouvé que le travail de l'association était excellent et enfin, j'ai été séduit par le projet. Et en discutant avec le directeur qui m'a dit que là-bas, sur les formations professionnelles, ils auraient bien aimé mettre au point une formation de menuiserie. Donc j'ai décidé de venir faire du volontariat pour enseigner à quelques jeunes la menuiserie. Après ces deux années, trois années à enseigner, je me suis rendu compte un peu des limites de l'enseignement que j'ai apporté et surtout des difficultés des jeunes à trouver des emplois à l'issue de leur formation parce que le monde du travail en Inde est difficile, surtout pour des gens qui n'ont pas de famille. Donc déjà, il y a un rapport de confiance que les patrons ne donnent pas. Et là, j'ai commencé à réfléchir à monter mon entreprise pour pouvoir embaucher ces jeunes. On a travaillé d'abord essentiellement sur la sculpture et puis là on diversifie un peu vers de la restauration de meubles. Donc on rachète des meubles en Inde qu'on restaure et qu'on vend en France en fait. Souvent dans un chalet, on est un peu absorbé parce que c'est tellement un beau travail, enfin tellement réjouissant que enfin ça fait plaisir de travailler pour eux. Davantage encore de raisons de travailler, de me dépasser, beaucoup de motivation, c'est ça qui me motive dans ce que je fais.